Quelle époque elle est cette mosquée, hein? Tu sais, on ne peut pas savoir. Ou du moins, on pourrait peut-être le savoir si on fait des recherches de l'ordre archéologique. Cette architecture peut avoir 1000 ans comme 50 ans. Et parce que les moyens, avant que le machinisme avec les moyens et des besoins nouveaux s'introduisent, il n'y a pas eu de raison que les formules valables et admise à une période certainement très reculée, était remise en question si elles étaient satisfaisantes. Mmh. Or, c'est ce qui arrive dans toutes les périodes précédant le machinisme. Les gens ont abouti leurs recherches. Les caractères moins satisfaisants de l'architecture que tu peux retrouver dans des périodes nouvelles n'est pas un phénomène spécial à une région, à Ozab en l'occurrence, c'est-à-dire que les moyens démographiques, les transformations sociales et les transformations techniques des moyens de construire font qu'effectivement, il n'est pas de raison que l'on construise maintenant des choses semblables à celles qui ont été faites pendant des siècles, toujours pré-machinistes. Reste le problème de la conservation, en fait. Oui, c'est d'ailleurs parce que dans aucune période, dans aucune région du globe actuellement, l'on n'est capable de satisfaire à une transformation continuellement mouvante, donc l'on ne peut pas arriver à faire un objet qui cerne avec satisfaction les besoins de la vie. Toutes les sociétés ont besoin effectivement de se conserver des repères dans ces périodes antérieures qui ont eu des qualités abouties. Nous sommes donc moins sûrs que nos ancêtres. Nous sommes absolument moins sûrs qu'un homme du 15e siècle, de n'importe quelle civilisation qu'elle soit. Parce que il avait pu, de jour en jour, de mois, d'années et de siècle en siècle, éviter les erreurs. Alors que notre époque machiniste n'a qu'une centaine d'années, et elle balbutie. Alors, ici, on balbutie depuis l'arrivée de la route et du pétrole. Comme en balbutie en Europe depuis l'avènement de l'industrie, les catastrophes que tu vois là ont commencé en Europe avec le 19e siècle. Et ces constructions ont pris une tournure et un style qui n'est plus celui qu'il y avait il y a 100 ans ou il y a peut-être un peu moins même. Si on fait un tour au centre de Gardaïa, au vieux Gardaïa ou au vieux Benizgen ou au vieux Bonoura, on voit un tas de maisons vétustes qui
ont reçu pas mal de modifications, pas mal de transformations, et surtout, il y a les 40 ou les 50% de ces maisons depuis 50 ans, par exemple, qui ont été reconstruites. En bien ou en mal ? En mal, je dis, parce que il y a 50 ans, on construisait avec des troncs de palmier, on construisait... Bon, Timshem, par exemple, etc. Maintenant, on voit apparaître des façades raides, droites, il n'y a pas d'arrondi, il y a plein de petites fenêtres, il y a plein de petits claustras, il y a plein de choses qui sont vraiment qui ne cadrent pas avec l'ancien Mzab, enfin l'ancien Gardaïa, le style de Gardaïa. C'est une chose qu'on doit souffrir parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le Mozabite tient à son fief, il tient à sa maison, à la maison de son père, de son grand-père. Il ne peut pas, par exemple, dire, voilà, ça c'est une vieille maison, je dois la conserver, je dois la laisser comme ça, parce que c'est le Mozab d'hier, je dois aller acheter un terrain ailleurs et construire ailleurs. Non, je dois descendre cette maison et la reconstruire, malgré tous les efforts que les monuments historiques ont fait et font actuellement pour préserver le style d'une manière, c'est-à-dire pour contenter les uns et les autres, c'est-à-dire celui qui habite et celui qui veut garder le Mzab tel qu'il était, voyez-vous. On trouve toujours une solution moyenne. Au lieu de faire des fenêtres de 1 mètre sur 1 mètre, on ferait des fenêtres de 50 sur 50. Est-ce que l'ensemble des évolutions auxquelles on assiste aujourd'hui au Mzab n'est pas lié? En tant que constructeur, je peux vous dire que cette évolution avance dans le bon sens de la pratique, mais sans enfreindre et sans toucher le côté religieux de la chose. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair. Le Mozabite, par exemple, n'agrandit pas ses fenêtres, ne laisse pas l'endroit d'où il pourrait être vu de l'extérieur, ni rien du tout. Il a toujours sa maison, sa vie privée conservée. C'est surtout ça. C'est un peu mal dans le sens que il est obligé, par exemple, d'ouvrir des fenêtres, mais il est obligé, pour éviter d'être vu, de mettre des paravents ou quelque chose qui cache devant. Il est obligé, pour éviter d'être vu, de mettre des paravents ou quelque chose qui cache devant. Mais à l'extérieur, ça change l'aspect de la maison ou l'aspect de l'ancien Mzab, si vous voulez. Bon, alors vous dites que l'ancien Mzab, son aspect est modifié. De plus en plus, d'ailleurs, oui. On peut assister à cette transformation. Oui. Les Mozabites eux-mêmes disent les maisons d'aujourd'hui en béton, etc., sont moins confortables que celles dans lesquelles on habitait autrefois. Elles sont trop chaudes en été, trop fraîches en hiver. Et pourtant, de plus en plus, ils continuent à construire en béton. Ouais. Alors, pourquoi ? Y a-t-il une explication à ça ? Il y a une explication, effectivement. Cette explication réside dans le fait que, dans le temps, les constructions se font avec des troncs de palmiers qui ne vont guère plus que 2 mètres de portée ou 1,80 m. Il y avait beaucoup de timshem, c'est-à-dire de plâtre, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors avec ça, on peut faire de gros piliers qui supportent le plafond, qui est lourdement chargé par de la terre et des troncs d'arbres et tout ça. Or, tout cela, ça prend de la place et ça nous oblige à faire des pièces trop exiguës. Le Mozabite, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut avoir un peu plus de place avec avec un confort suffisant. Pour cela, il utilise le béton qui permet des portées de plus de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres, plus même. Et malgré qu'il a plus froid en hiver, il a des moyens de chauffage. Et malgré qu'il est plus chaud en été, il achète des climatisateurs. Hein, il est plus aisé pour ça. Tout cela, enfin, tout en se plaignant, il continue à faire sa faute en trouvant des explications. Voilà. Des remèdes, des palliatifs. Des remèdes, voilà, des palliatifs.
faute en trouvant des explications. Voilà. Des remèdes, des palliatifs. Des palliatifs, exactement. L'évolution, donc, vers le moderne est inévitable. Il est inévitable. Certes, mais cette évolution vers le moderne, tant qu'elle ne touche pas la religion, on la laisse passer, on la laisse...